Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème partie sur Let's Play de Jak & Daxter The Precursor Legacy sur PlayStation 2. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était au niveau de la grotte aux araignées, niveau qu'on a fait entièrement. Et aujourd'hui, donc on va partir direction la citadelle de Golemaya, mais avant ça j'avais encore une pile à récupérer. Donc au niveau au niveau du col de la montagne, donc on va y retourner tout de suite. Alors par contre, il faut que j'arrive à retrouver mon chemin. C'est par là, le col de la montagne. Parce qu'on avait encore une pile à les récupérer. La puissance de l'écho noir ne peut pas être contrôlée. Oui, si tu le dis, mon cher Samos. Donc on va retourner vite fait là où il faut aller. Donc au col de la montagne. Alors le col de la montagne, voilà, c'est ici. Puisque en fait, pour atteindre cette pile d'énergie qui me manque, faut faire un petit demi-tour. Voilà, puisque le col de la montagne c'est ici hein. Et en fait à un moment donné, si vous vous rappelez, oh là là, on va éviter de se prendre des dynamites dans la tronche. On va juste faire un petit retour arrière rapidement. Voilà, vous voyez, la pile est en haut, vous l'avez vu. Mais pour atteindre cette pile, il faut que je repasse par l'extérieur. Sans tomber, ce serait bien. D'accord, je passe à travers les cristaux, tout va bien les gars. Voilà, ça y est, ça se passe ici. Et vous voyez ici, il y a un puits d'écho jaune. Et c'est grâce à ce puits qu'on va pouvoir atteindre la pile qui se trouve là. Tandis que j'ai failli me vautrer, loul. Mais au moins on l'a eu. Donc c'est bon, on est à 94. Tout va bien. Jusqu'à atteindre la sortie. Hop. Alors par contre, question, si je meurs, je reprends où? Bon, je vais pas prendre de risques. Je vais pas prendre de risques. Vas-y, tu peux garer le zoomer. Merci beaucoup. Voilà, comme ça c'est bon, on peut remonter. Hop. Et comme ça au moins on a toutes les piles qu'il nous faut. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir aller au niveau du canal lavial, je crois que ça s'appelait. Oh, je sais plus le nom, bref. Donc, puisque maintenant qu'on a toutes les piles nécessaires, on va pouvoir maintenant aller à la citadelle de Golemaya comme convenu. Alors, par contre, faut que j'arrive à retrouver mon chemin. C'était au niveau des wagonnets, je m'en rappelle. On va y retourner de suite. Vas-y, accélère un petit peu, mon cher Jack. Sans tomber, ce serait bien. Allez, soyons fous, on y va à pied. Voilà. Par contre, j'espère que je prends bien le bon chemin. C'était pas en face. Non, c'était pas en face. Hein. Non, c'était là. Enfin, j'espère. Ça m'embêterait de refaire un tour pour rien. La grotte aux araignées, c'était derrière. Hein. D'accord. C'était là-bas, la grotte aux araignées. Je sais plus. Attendez, j'ai un doute. Je me doute. Non, je crois que je vais au canal. Non, je vais à la grotte aux araignées. Donc, non, c'était bien de l'autre côté. Oh, flûte. Bon, c'est pas grave, on va refaire un petit tour de mode neige. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais quand même refaire une sauvegarde rapide là. Parce que là, je n'ai pas sauvegardé en fait. Ouais, c'est ça, j'ai pas fait la sauvegarde. Voilà, je vais quand même en refaire une. Parce que si jamais la capture venait à couper, j'aurais pas l'air couillon, hein. Vous allez bien les deux héros là? Vous vous laissez aller? Hop.
Avec même un peu de chance, on pourrait peut-être même finir le jeu aujourd'hui. En y repensant. Vous, vous le savez déjà, hein, si c'est le dernier épisode ou pas. Si c'est marqué final, c'est que c'est le dernier épisode. Mais moi, je ne le sais pas. Salut, Kira. Très bien. Avec ces piles d'énergie supplémentaires, je peux alimenter le bouclier thermique pour qu'il résiste à toute cette lave. Mais le bouclier a ses limites. Il résistera à des températures proches de 800 degrés, mais pas plus. Alors surveille la jauge. Je n'ose pas imaginer ce que causerait de telles températures à ton zoomer si tu n'avais plus de bouclier. Eh, hey, c'est chaud, là. Quoi? Le zoomer? Hé, hey, et nous, alors? Y aurait pas un autre chemin pour aller à la citadelle de Gaulle? Écoutez, j'ai lâché d'autres ballons de refroidissement dans le canal pour que vous fassiez baisser la température. N'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage jaune. Nous comptons sur vous. Eh ben, allons-y. Allez, let's go. C'est parti, mon kiki. Alors évidemment, comme c'est le dernier passage zoomer, évidemment c'est pas le plus facile, hein, vous en doutez. Bien. Hop, comme d'habitude, je vais prendre mon temps pour bien tout choper. Quand il y avait le mec à bouche là, je l'ai vu. Quoi, je l'ai eu? D'accord, je suis passé complètement à côté, mais je l'ai eu quand même. Hein. Oh, tant mieux, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Ah, j'en ai raté deux. Ouais, bon, c'était sûr. De toute façon, c'est pas évident de faire ça en intra et tout choper d'un coup, c'est très difficile. Hein. Vaut mieux faire ça en plusieurs fois. Oh, flûte, j'ai raté le ballon. J'ai raté le ballon. Oh, j'ai encore raté le ballon. Oh, oh là. Oh, oh, oh. Petite foirade de ma part, mais ça va. Attends. Tu permets que je pète tout ça d'abord? La porte est ouverte, allons-y! Elle est où là-bas? Attends, avant ça, voilà, je reprends un petit ballon là. Ouais, putain, je suis pas obligé de péter tout ça, hein. Bon, au moins, j'ai raté la mécamouche. J'ai raté la mécamouche, non mais quel idiot! Ah mais ça va, on reprend de là. Ah ça va, il y a eu un checkpoint. Oh bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je sais pas s'il faut pas que je me prenne une bombe en pleine tranche. Ok, troisième méga mouche. Ok. Oh là là. Les autres. Attention à l'écho noir. Ok, c'est bon, quatrième méga mouche chopée. Ok, cinquième méga mouche, très bien. J'espère que j'en ai pas loupé un. Hein. Là. Allez. Ok, 6. 1. Où est le dernier? Oh, voilà la fin. Problème là. Ok,
j'ai obtenu un nouveau trophée. Vroom vroom vroom. Parfait. En revanche, il me manque une mécamouche. Oh, t'es en train de me dire que j'ai loupé. Oh là là, je vais devoir recommencer. Hey, mais où il est passé, le petit vieux tout vert? C'est terrible. Père a disparu. Je crois bien que Gol et Maya l'ont kidnappé lui aussi. Du calme, ma belle. Je contrôle la situation. Tu contrôles? Les armes et Lurkers continuent de se déployer. Les sages ont été kidnappés. Gol et Maya ont rassemblé assez d'écho pour mettre leur terrible plan à exécution. Et pour les arrêter, il va falloir que vous parveniez à leur citadelle. Ouais. C'est à peu près ça. Il faut que vous sauviez mon père avant qu'il ne soit trop tard. Et Jack, sois prudent. Ouais, nous le serons. Comme à chaque fois. Par contre, souci, il me manque une mégamouche. Où est-elle? That is the gross question. Alors, attendez. Parce que là, on a un petit souci, là. Attendez, je vais regarder ça. Canal Lavic. Oui, il me manque bien une mécamouche. Mais où était-elle, cette mécamouche que je n'ai pas vue? C'est pas vrai. Sérieusement, faut pas que je loupe une mécamouche et j'en loupe une. Ah, attendez, j'ai une question. On peut passer comme ça? Bah, tombe pas, mais qu'il est couillon. Le mec, il veut gruger, il arrive même pas à gruger. Oh, parce que c'était bien par là, hein, qui était le canal Lavic. Oh, je rêve. Le mec, il n'arrive pas. Punaise. Le mec, il n'arrive pas à gruger. Ça y est, non. Fais pas ton con, Jack, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon, en fait, c'était là, j'aurais pu gagner un peu de temps. Bon, c'est pas très grave. Bon, on y retourne. Bon, j'espère pas le louper cette fois-ci. Espèce d'idiot. Mais comment j'ai pu le louper? Il était où? À mon avis, il doit être dans tous les embranchements là qu'il y avait. Là, il y avait au moins 50 embranchements là. Ça tombe, c'est là-bas qu'il était. Et j'ai pas pris le bon chemin. Ah, j'ai pas pris de ballon. Ok, j'ouvre l'œil. Et le bon. Ouais, il était pas là quand même, rassure-moi. Non, il peut pas être là, de toute façon. Un petit tour quand même, au cas où. Non, il est pas ici. Vas-y, enchaîne. A mon avis, il doit être là quelque part, mais comme je l'ai pas vu tout à l'heure. Passe par en dessous. Je suis passé par au-dessus tout à l'heure. Voilà, je vais pas trop me presser, je vais bien ouvrir l'œil, je vais bien regarder. Alors, où est-il? Pas là, je suis sûr qu'il est là. Pourtant, je vois rien. Vous l'avez vu, vous? Non. Là, je vous fais de ces figures, les gars. Notre temps, mais je le vois pas, hein. Donc il est pas ici, alors il est peut-être plus loin. Ah, c'est bizarre quand même que je le vois pas, hein. Où peut-il être? Putain, mais je vais pas perdre mon temps là-dessus, quoi. Je vais pas perdre mon temps sur une fichue mécamouche. Ah, elle est là. Elle était là. Ah, sérieusement. Ok, bon, c'est bon, on les a tous. Très bien.
Y'a plus qu'à finir. Oh là 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 là. Olé. Waouh. Ok. C'est du coup noir. Attention la bombe. Oh là 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 là. Là, je vous fais de ces esquives. Ça prend trop de temps. On est au bout. Voilà. Parfait. Allez, direction la citadelle de Golemaya. Vous vous êtes enfin décidé à venir. C'est un vrai plaisir. Alors c'est vous qui passez la serpillière maintenant. Pas le temps de plaisanter, Docteur. Gaul et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie et alimenter leur abominable machine. Ils ont combiné les restes fonctionnels d'un robot précurseur avec des objets récupérés dans tout le pays. Puis, ils ont ajouté quelques diableries de leur cru pour créer la seule chose capable d'ouvrir les silos des connoirs. Si vous nous libérez tous les quatre, nous associerons nos pouvoirs pour détruire le champ de force du robot avant qu'il ne s'en serve pour détruire le monde. Ouais, c'est ça, et donc il y a bien une pile par sage à récupérer et à sauver en tout cas. Allez, on va commencer par ici. Merci. Et on est parti. Sans se vautrer, ce serait bien. On va partir par là pour l'instant. Je vais rester sur la droite. Vas-y, tu peux aller là. Hop. On va aller choper la mécamouche. Donc ici, il y a 5 piles à choper. Une par sage, plus la pile des mécamouches. Non, on va monter par là. Vas-y. Ici, il va falloir que je monte comme il faut. Voilà. Vas-y, on fait tout le tour. On va essayer de monter là-haut, hein. Si possible. Oh, oh, c'était juste, mais c'est passé. Tant mieux. Oh là. Oh, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je le fais quand même. Alors là-bas, il y a une méca mouche. Bien. Ok, parfait. Deuxième méca mouche chopée. Ah oui, alors. Ici. Voilà, il va falloir bien sauter comme il faut. On va faire demi-tour. On va tout enlever. Et on repasse pas. Alors l'œuf est sur le jaune. Hein. Vert. Et on finit avec le bleu. Très bien. On a de la compagnie, Jack. Beaucoup de leur curse. Sans déconner. Mais les leur cœur, ils vont vite faire dégager. Par contre, est-ce qu'il pop à l'infini ou pas? J'ai un doute. Allez, doucement. Attends, attends, on va se recharger, on va se recharger. Voilà, hop. Allez. Tout le monde dégage. Il avance un peu. Oh, il m'a touché. Oh, c'est pas vrai. Rapide. Ça a dû faire mal, ça. Faut que j'appelle du renfort. Non, non, ça va aller. Je reviens. Oh, putain, je reviens là. Okay. C'est pas grave, je place tout. Hop là, très bien. Du coup, si on speed. Allez, dépêche-toi. Ah, oh, putain. Je me la paix.
Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars, faut arrêter. C'est tous. Okay. La porte est ouverte, allons-y. Ouais, t'es bon. Parfait. Vas-y, tu peux avancer. Hop, j'ai rien loupé, rassure-moi. Quand même. Non, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. C'est là d'où je viens, on est d'accord. Attendez. En plus. Non, c'est pas là d'où je viens. Non. C'est la suite. Ok, joli. Ok, une pile chopée. J'ai obtenu un nouveau trophée, sauf moi. Vous venez enfin à mon secours. Vous savez depuis combien de temps je suis là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Comment vous appelez-vous, Je suis Daxter. Et lui, c'est Jack. Il m'accompagne. Bien joué, Daxter. Tu es un vrai héros. Il faut que vous empêchiez Gold de lancer le robot. Je vais utiliser mon pouvoir pour ouvrir le champ du bouclier. Ok. Donc là, on a un sage de sauver. Il en reste 3. Alors, ici, on veut l'autre. Hop là, très bien. Par contre, c'était pas là du tout où je venais, moi. On va passer par là. Vas-y, ouvre. J'en ai ouvert tout d'un coup là. Oh là 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 là. C'est la chute. Non, surtout ne pas faire ce que je viens de faire. Surtout pas. Non, tu peux lâcher s'il te plaît. Ouais. Merci. Ouvre ça. Voilà. C'est pas grave, on y retourne de suite. Toi tu dégages, tu m'ouvres ça. Et tu y vas. Tu peux prendre. Voilà, ça quand même, ça m'arrangerait. Voilà, très bien. Là tout pis, c'est parfait. Ouvre-moi ça. Ok. Bon, pour l'instant ça va, c'est juste des petites phases de plateforme. Donc. Tout va bien, voilà. Tout va bien, mais on va éviter de se vautrer quand même. Oh, j'allais dire, attends-moi, saleté de plateforme. T'es en train de me dire qu'il faut que je monte là-dessus, là? D'accord. J'ai où, là? En dessous, là? Oui. Ok. Tombe pas. Et en face là. Okay. T'as la caméra, c'est pas trop ça quoi. Okay. C'est là. Mais évidemment, perspective de ma queue. Loul. Oh mais sérieusement, la perspective quoi. Je pensais être sur la plateforme, j'y suis pas, franchement. Oh. Honteux. Franchement honteux. Fais-moi pousser toi. Non, le point, ton point dans le trou. Non mec il est con. Il faut y aller dans le trou. Je pensais qu'il allait se rater encore. Mais oui, ça rate, bien sûr. Oh, sans déconner, mais la plateforme, elle peut pas aller plus loin, franchement. C'est
Ça aurait été plus pratique si la plateforme pouvait aller plus loin que ça, quoi. Franchement. Aïe, évidemment. Bon, ça va, heureusement, ça me tue pas en un coup, ce truc. On retombe pas, hein. Non, mais sans déconner, les gars, je le fais pas exprès, hein, je vous le dis. Mais là, ça vient du porte-à-mac, là. Oh, je vous jure, sans déconner, c'est pas dur en plus, hein, mais je m'y prends comme un manche, là. Oh. Voilà. Alors là, tu veux que je fasse quoi, là, mon grand saut? Ok, d'accord. Ici. Ok. Est-ce que j'ai bien pris tous les œufs? Oui. Alors ici, c'est quoi le délire? Ah. Ok, je vais pas rester là indéfiniment. D'accord. J'ai... Ah. Ah oui, d'accord. Attendez. Il y a un souci, les gars. Il me faut du... Il me faut l'énergie bleue là. Voilà. Non, il me faut de l'écho bleu pour la fin. Faut que je me grouille en fait. Oh putain. Mais ça paraît, t'es pas prévenu, t'es pour moi. Allez, c'est parti. On se dépêche. On se grouille. Vas-y. J'ai tout dit d'attendre. Vas-y. Attends-moi! Non! Ah là 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 là! Je repop. Oh non! Je reviens au début! Sérieux! Oh non, c'est clairement injuste là! Oh, y'a pas de checkpoint après l'obstacle là! Aïe aïe aïe! Oh non! Mais quel dégoût! Oh non, c'est pas vrai! Oh, quel dégoût! En fait, je dois atteindre le bout avec l'écho bleu parce que vous avez vu qu'il y avait un. Il y a une. Comment? Il y a un truc avec plein d'orbes, donc je suis obligé d'y aller comme ça. C'est pas vrai, bordel. Oh, je suis déçu. Oh, je suis clairement déçu, là. Je suis trop déçu, les gars. Je suis trop déçu. Oh, putain. Allez. Ah non, mais non, c'est là que je dois le faire, bordel. Non! Oh, il s'est enclenché, mais je l'ai eu trop tard! Il s'est enclenché le truc! Ah, oh, le truc s'est enclenché, mais je me suis raté! Est-ce qu'il est ouvert? Je sais pas en fait. Oh punaise! Je sais pas si tous les œufs sont débloqués ou pas. Oh là 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 là! Bon, au moins s'ils sont débloqués, c'est bon, je vais pouvoir y aller seulement comme ça. Non, il s'est refermé. Aïe 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 aïe! Il s'est refermé! Oh le bougre! Ah, oh, c'est pas sympa là ce que vous faites là, les gars. Non, c'est vraiment pas sympa là. J'étais au bout en plus. Mais je suis tombé comme un idiot, franchement. Dégoûté parce que j'étais bien là. Mais en fait, je m'y prends mal. Je m'y prends trop mal. Non, j'en fais la même connerie. Mais c'est pas vrai! Mais je rêve! Mais c'est pas possible! Je vais pas rester 1000 ans là, quoi, les gars! C'est pas possible un truc pareil! Oh, mais quel idiot! Mais... Ça y est, je fais le con, je joue au con. Oh, j'y crois pas, mais je l'ai le bazar, j'arrive à l'avoir, mais. Je joue trop au con là! Je joue trop au con là. Au pire, je peux même attendre hein, en réalité. Parce que j'ai quand même de la longue. Hein. Ah, traîne pas, Jack, s'il te plaît.
Me traînasse pas, nom de Dieu. Voilà, là je suis obligé d'attendre en fait. C'est là maintenant que je peux y aller. Voilà, je vais attendre. Maintenant, voilà. C'est bon. Oh là 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 là. Oui, j'arrive, je vais te sauver. J'ai obtenu un nouveau trophée. Non, sauve-moi. Bien joué, les amis. Le vieux Samos, vous avez bien jugé. Des grands tas de métal précurseurs. On ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager. Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant un flux énergétique entre le grand portail et moi-même. On fait comme ça. Et ben nous, pendant ce temps-là, on va chercher de l'aide. Complètement fini ce type. Comme son écho bleu, quoi. Il est un petit peu trop. Voilà. Je vais rien dire, mais voilà. Bref, vous avez compris. Hop. La suite, s'il vous plaît. C'est où? Moi, fort, je suis perdu. Mouche là-bas. Je sais plus quel chemin j'ai fait, quel chemin j'ai pas fait en fait. Non, attends, ça c'est le début, ça. Ça c'est le départ. Attends. On remonte. J'espère que je suis pas en train de faire le truc dans le désordre là, hein, parce que je suis pas rassuré là. Donc, ça là-haut c'est fait. Ça là-bas, je dis rien. Ça là-bas, aussi puisqu'il y a le truc de. Attendez. Donc ça là-bas, c'est fait. On est d'accord. Donc il me reste quoi? Donc il me reste ça là-bas. En conséquence, je casse ça. Il reste ce passage là. Et après on pourra libérer Samos, je suppose. Ok. Donc c'est parti pour ici. Alors, on va déjà écho bleu, ça veut tout dire. Ah mais il y a même une mécamouche là. Donc 392, c'est pas mal. Le prochain propulseur. Ok. Ne manque pas le prochain propulseur. Non, j'y vais. Ouais, en fait. Mais il va pas choper l'œuf. Enfin l'orbe plutôt. J'ai l'œuf mais c'est l'orbe. Hein. Alors, le prochain c'est où? C'est là-bas. Oh. Ok. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Bien. Récupère-moi les orbes quand même qui se trouvent là. Est-ce que vous pensez que je l'ai là? Oui, c'est bon. Tout va bien. Allez, au suivant. Ok. Non, c'était trop beau pour être vrai. Là, j'ai voulu être trop gourmand, là. Ah, j'ai voulu être 10 fois trop gourmand, là. Ben on est pas mal. Très bien.
Ok, on n'a pas tout encore. Il en reste 20. Il en reste 20. J'ai obtenu un nouveau trophée. Et sauve-moi aussi. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Je vais faire payer cet affront à Gol et Maya très cher, ça c'est sûr. Et puis après, on s'essaiera à la soupe de ragondin. Montons sur ces plateformes. Oui, oui. Enfin, si je peux, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, vous pensez m'avoir, les gars? Non, il y a une Mikamouche ici. Ok, s'il nous en fait 6, il en reste 1. Mais alors, par contre, pour savoir où se trouve le dernier, j'espère qu'il se trouve au niveau de Samus. Rassurez-moi. C'est bon, je vois le jour. Mes plateformes, elles sont où? Elles sont là-bas. Eh ben. J'espère juste ne pas avoir raté la dernière Mikamouche. C'est tout ce que je demande. Sinon, j'aurais pas l'air couillon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'espère que là, c'est le dernier passage et qu'il y a mes 20 orbes et ma Mikamouche manquante. Mais qu'est-ce que tu fais, Jack? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Là, il m'a fait un truc, j'ai pas compris là. Il a pas voulu s'accrocher, puis il est tombé. Pourquoi, tu sais pas? Allez, est-ce que tu peux monter là-haut là? Ça te vaudrait. De votre voilà. Là. Ok, là-bas. Très bien. Par où? Hein? Ah, faut que je monte là-dessus, d'accord. J'avais pas compris. Hop. Et là, mon but, c'est d'atteindre le tout en haut, c'est ça? Ça que t'es en train de me dire. Mais y'a pas une plateforme normale, j'ai envie de te dire. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que je monte. D'accord. Je pensais que j'allais glisser dessus, mais non. Tout va bien. Ah, y a plein d'œufs ici. Est-ce que j'ai mon compte? Dis-moi que oui. Dis-moi que j'ai mon compte. Dis-le-moi. D'accord, ici ce sera pour la cage de Samus très certainement. On va aller de l'autre côté. Évidemment. J'aimerais choper le reste si possible. Ok, dernière Mikamouche chopée. J'ai obtenu un nouveau trophée, Maxi Bourdon. Tu nous en fais 100. On a tout. Et en plus de ça, on a tous les œufs. Et j'ai obtenu un nouveau trophée, le super orbateur. Très bien. Donc 200 orbes sur 200 orbes pour la citadelle de Golemaya. Et donc 2000 sur 2000 orbes. Donc on peut dire je quasiment terminé à 100%. Parce qu'il n'y a plus qu'à battre le boss final. Et c'est vrai qu'il me manquait encore une mille. Ouais, j'ai obtenu donc un nouveau trophée, Maxi Énergie. Ainsi qu'un autre trophée. Attends, sauve-moi d'abord. Vous êtes de vrais héros désormais. Je vais associer mon pouvoir découverte avec celui des trois autres sages. Et ensemble, nous ouvrirons le bouclier qui entoure le robot précurseur. Ouais, ça me semble un bon début. Et une fois le bouclier ouvert, qu'est-ce que vous allez faire du robot? Mais rien, Daxter.
Nous devrons garder le bouclier ouvert. Et ce sera à vous de vous débrouiller pour détruire l'embout. Oh, génial! Je vais pouvoir aider le type qui m'a changé en boule de poil et détruire la seule personne qui puisse m'aider! Sauve d'abord le monde, puis on essaiera de convaincre Cole d'aider Daxter! Tu arrives trop tard, Samos. Une fois que je posséderai de l'écho noir en abondance, je détiendrai la clé même de la création! C'est de la folie! Si tu relâches autant d'écho noir, tu détruiras tout! Il n'y a qu'à voir ce qu'elle t'a fait! Elle nous a donné une beauté qui dépasse ta compréhension. Beauté? Vous vous êtes regardé dans un miroir récemment? Attends que nous ayons ouvert les silos, mon petit. Tu crois vraiment qu'être petit et poilu est grave? Quand je pense que vous avez fait tout ce trajet pour mon aide, imbécile! Profitez de vos places privilégiées pour assister à la recréation du monde! Jack, prenons l'ascenseur et arrête ce robot! Eh bien, on y va de suite. Avant, je vérifie un petit quelque chose. Oui, j'ai bien toutes les piles. Hein. Donc on est bon. Et puis en plus, on l'a vu en bas à droite, j'ai bien atteint le 100% du jeu. Et ben ma foi, j'en suis ravi. Donc là, on est parti donc pour le boss final. Gol et Maya. J'aimerais bien avoir de... Quoi ? Encore eux ? Ben oui, encore nous, hein. L'écho ne vous protégera plus. J'ai sauté. Oui, c'est ça. J'ai sauté. J'étais directement dans la bombe comme un idiot. Oh, tu peux... Quoi ? Encore eux ? L'écho ne vous protégera plus. Voilà, très bien. Vous n'abandonnez jamais ou quoi? Non, c'est pas mon style. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je sais plus. J'essaye. Oh là, aïe, mais c'est pas vrai! Bientôt l'écho noir vous appartiendra! Ne bougez plus! Bientôt l'écho noir vous appartiendra! Débarrasse-toi d'eux! C'est bon. Élimine-les une bonne fois pour tout. Allez, dépêche-toi. Pas de pitié. Voilà, très bien. Hop, ok. Ah mais non, c'est quoi le délire déjà? Débarrasse-toi d'eux. Oh là, ah oui, oh. Élimine-les une bonne fois pour toutes. Aïe, bien joué. Élimine-les une bonne fois pour toutes. Je peux les péter. Débarrasse-toi d'eux. On peut pas les casser. Élimine-les une bonne fois pour toutes. Ah non, c'est vrai qu'il faut que je détruise ça. Idiot. Et oui, c'est ça qu'il faut que je détruise. Ne bougez plus. Élimine-les une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est bon. L'écho bleu.
vite là-bas. Allez, vas-y. Très bien. Donc surtout pas tomber dans l'écho noir non plus. Je pense que vous l'avez compris. Alors, c'est quoi la prochaine phase déjà? Et plus fort. Oh là. Débarrasse-toi de... Oh putain, mon dieu, ils m'ont touché. Débarrasse-toi de... Mais non. Je vais me faire avoir. Ah oui, j'en étais sûr. Débarrasse-toi de... J'en étais sûr. Je dirais un truc déchirant à l'enterrement. Du genre... Mais comment est-ce que je vais redevenir normal maintenant? Oui bah déjà faudrait que Gol et Maya le voudraient, mais je crois pas qu'ils veulent t'aider, mon cher Baxter. Et évidemment quand on se part on recommence tout hein. Je sais plus si je peux faire ça direct. L'écho ne vous protégera. Ah oui je peux faire ça directement en fait. Je suis pas obligé d'attendre. J'attendais comme un idiot moi. N'abandonnez jamais ou quoi ? Allez, là, c'est la phase du monstre. Ne bougez plus ! Achève-les ! Débarrasse-toi d'eux ! Achève-les ! Débarrasse-toi d'eux ! De côté, là, c'est pas là. Ne bougez plus ! Très bien. Petit écho bleu. Élimine-les une bonne fois pour toutes ! Pas de pitié ! Très bien. Donc la phase 3. Ok. Mais par contre je vois rien là. Non. Putain mais je fais l'idiot là. Ne bougez plus. Peut-être de ce côté ça sera plus simple. Oh tu peux. Vite droit. Faut pas viser droit. Mais t'es sérieux? Ne bougez plus. Comment je peux me foirer à ce point? Élimine-les une bonne fois pour toutes. Ne bougez plus. Allez, voilà, c'est bon. On peut encore me faire toucher une fois, mais pas plus, hein. Alors, ah j'allais dire, normalement t'es censé te péter le bazar, ouais. Si on revient de ce côté, je préfère. Donc moi, me cul les cons. Ne bougez plus. Wow. Débarrasse-toi d'eux. Vous êtes. Non mais non. Oh là. Ne bougez plus. Des bonnes nuits, Jack. Oh mais là je fais trop l'andouille, sans déconner, je fais trop l'andouille. Putain mais quel idiot quoi. Putain, sérieusement, je suis trop con là. Je fais trop le con là. L'écho ne vous protégera plus. Je suis trop le con là. Je suis trop au dracon là. On commence par là. Débarrasse-toi d'eux. Achève-les. Débarrasse-toi d'eux. Achève-les. Ne bougez plus. Achève-les. Okay, bon. Une bonne fois pour donc tout. Pas dans l'écho noir, c'est le comble. Pas de pitié. Ok. En plus j'ai corps, mes 50. Enfin mes 3 points de vie on va dire. Mais putain, mais c'est pas vrai. C'est trop le con. Et merde.
élimine-les une bonne fois. Putain, non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, mais c'est fait en série que je vous fais, les gars, c'est dingue. Mais quel idiot. Putain, plus con que moi, y'a pas, là. Sans déconner. Oh, quitte à ce que la vidéo fasse une heure, tant pis, hein. C'est déjà la vidéo précédente, elle a déjà duré longtemps. Alors là, cette fois-ci, on finit le jeu, hein. Là, on termine. Là, on finit le jeu, hein. Aujourd'hui, là, on finit. On est au boss final, je vais pas refaire un truc de 2 minutes. C'est bon. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on les aura. On les aura, les Gol et Maya. Ne bougez plus, achève-les. Débarrasse-toi d'eux. Pourtant, c'est pas le boss dur. Achève-les. Enfin, c'est pas un boss dur, ça je veux dire. Élimine-les une bonne fois. J'ai pas pris mon. Ah, j'ai... non, j'ai pas pris mon. Mon pouce découvert. Pitié. Non, mais je fais trop l'idiot là, je fais trop l'idiot là. Je fais trop l'idiot. Mais je vois rien. Oh, je vois rien. Ne bougez plus. Non, recule. Élimine-les une bonne fois pour toutes. Très bien. Ne bougez plus. Eh bon. Par contre, bah ouais, mais non. Mais je récupère les complots là. Attends un peu. Oh là 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 là. Bon, on est quasiment au bout là, je pense. Non. Voilà, c'est la phase du laser là, la con, que j'aime pas. Débarrasse-toi d'eux. Ne bougez plus. Vous êtes à moi. Oui. Ne bougez pas. Ah, c'était pas le dernier. Tire. Vous êtes à moi. Ne bougez plus. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est une bonne manœuvre là. Attention. Wow. Il est pas encore là. Oh, oh, bien joué. C'est bon. N'abandonnez jamais ou quoi? De l'écho de lumière, ça existe! Il ne faut pas qu'il s'en empare! L'écho de lumière? Ça pourrait me retransformer! Ou bien, ça pourrait arrêter ce robot. Rester poilu, sauver le monde. Quel dilemme! Bon, d'accord. On sauve le monde. Mais vite alors, avant que je change d'avis. Ok, on y va. Nous n'allons pas nous laisser faire. Oula. Va. Que j'ai été un peu dur avec vous. Vous êtes de la graine de héros. Mais Daxter, on ne va plus pouvoir te transformer? Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais ce qu'on dit. Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Jack, tu possèdes un talent incroyable pour canaliser l'écho.
Samus, il semblerait que c'est toi qui avais raison, après tout. Et Kiera, je dois dire que sans ton aide et ton ingéniosité, rien de tout cela n'aurait été possible. Peut-être avons-nous trouvé un autre sage maintenant que Gol et Maya sont perdus. Oui, Gol et Maya. L'écho noir les a probablement détruits. Probablement. Ah, quelle importance! Ramenez-les, on leur fera leur affaire, pas vrai, Jack? J'ai dit pas vrai, Jack. Oula! Calme tes ardeurs, mon pote. J'ai obtenu deux nouveaux trophées rompus au combat et au sommet de la gloire. Et bien parfait, donc le jeu Jack and Daxter est enfin terminé. Bon, 9 épisodes, bon ça va. Bon, pas mal de galères hein, en cette fin de jeu hein, quand même. Les deux derniers épisodes, merci pour la galère, hein, j'ai envie de vous dire. Bref, bah sinon que dire, donc oui bah ça y est, le jeu Jack and Daxter est terminé, il est terminé à 100% hein, puisqu'on a carrément platiné le jeu, hein, voilà le dernier trophée que je viens de vous énoncer c'était le trophée platine. Et bah écoutez, ma foi je suis ravi, c'est vrai que c'est un jeu que je n'avais jamais fait moi-même on va dire, j'y avais quand même touché un petit peu, mais sans plus, je n'avais jamais vraiment fait de A à Z on va dire. Et vraiment l'avoir fait avec vous, bah ça m'a fait vraiment très plaisir, voilà c'est un jeu... Voilà, qui m'avait beaucoup tenté à l'époque, bon je l'avais pas pris, mais voilà, c'est un jeu que j'aurais pu prendre et ma foi, ben, je suis vraiment ravi de l'avoir pris. Voilà, un jeu culte, hein, voilà, Jack and Daxter, c'est un jeu culte, hein, sans problème. Encore une fois, je trouve que ce sont des jeux, je suis désolé de le dire, mais c'est un petit peu ressenti. Je trouve que c'est un jeu, enfin une série de jeux on va dire qui manque vraiment. Quand je vois certains jeux, encore une fois, même de Naughty Dog, puisque ce jeu-là est un jeu de Naughty Dog. Voilà, quand je prends le cas par exemple des Crash Bandicoot, des Spyro le Dragon, des Jack and Daxter, ou même des Ratchet and Clank par exemple, je prends le cas de l'autre binôme, on va dire très connu de l'autre côté de chez Insomniac. Je trouve que ce sont des jeux qui manquent vraiment. Bon, après les Ratchet and Clank, ça va, on les a retrouvés assez récemment, donc ça va. Mais pareil, pour Jack and Daxter, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux jeux, quoi. Et pareil, c'est une licence que j'aimerais bien retrouver, la licence des Jack and Daxter, vraiment. Bonne licence, comme la licence des Spyro, je suis désolé, c'est des licences qui ont marqué le coup à l'époque et qui, au jour d'aujourd'hui, bah, on n'entend plus parler, il n'y a plus de jeux dessus, enfin sur eux en tout cas, ou s'ils apparaissent, ils apparaissent, mais en tant que personnages secondaires et en tant que personnages principaux. Donc c'est un peu dommage et j'aimerais bien retrouver vraiment ces persos-là, vraiment qui ont marqué, bercé mon enfance. Et franchement, j'aimerais retrouver ce genre de jeu. Tout simple. Donc comme je l'ai dit aussi, donc on fera la trilogie, donc comme là Jack 1 est terminé, ben prochainement on aura Jack 2. Je pense que avant de faire Jack 2, je vais d'abord faire un autre let's play, je ne sais pas lequel, je verrai bien, et après ce nouveau let's play je pense qu'on enchaînera directement avec Jack 2, voilà, qui est vraiment dans un tout autre style hein, vous verrez, ce n'est plus du tout le même style que le premier jeu, clairement. On peut vraiment pas passer les cinématiques. Ah si, attendez, on peut aller plus vite. Voilà. Je suis désolé les gars, mais il faut que j'accélère. Hein. Bon, moi c'est bien, on peut passer les cinématiques. Faire les crédits, c'est très bien. Parlez, Jacko. Qu'est-ce que ça peut bien être? Waouh, c'est une ancienne porte précurseur. On dirait qu'elle ne s'ouvrira que lorsque les 100 trous seront remplis de piles d'énergie. On est des héros, n'oublie pas, nous avons 100 piles d'énergie. Ouais, parce que là on a fini le jeu à 100%. C'est magnifique! Par les précurseurs. Voilà. Donc la façon bon sens, c'est juste d'avoir une porte s'ouvrir sur un vaisseau blanc. C'est tout. C'est un peu dommage. Un petit peu dommage. Mais bon, j'attendais vraiment quelque chose d'autre pour le 100%. Bref.
Eh ben écoutez, bah moi j'ai envie de vous dire c'est là-dessus qu'on va s'arrêter là, on va revenir sur l'écran titre. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc pour cette 9e et dernière partie donc sur le let's play de Jak and Daxter The Precursor Legacy. J'espère que cet épisode et que ce let's play vous auront plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour un tout nouveau let's play et très prochainement aussi pour la suite avec Jak 2. Voilà. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde. We'll be right back.